lors de nos missions, on rencontre souvent des difficultés. Ça n'a pas toujours été simple pour nous. Souvent, on a des tombés, on a des blessés, parfois. Ça nous attriste. Mais quand on pense à toutes ces populations, toutes ces femmes, tous ces enfants qui comptent sur nous pour pouvoir vivre dignement, on n'a pas d'autre choix que de continuer à avancer. On suit les populations qui nous apprécient, on les écoute également. Et leurs mots d'encouragement nous touchent. Et on les invite à continuer de nous apporter leur soutien. Voilà. C'est ce soutien-là qui nous galvanise. Et on est convaincus que tous ensemble, là, on sortira victorieux de cette guerre.